tous amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Les amis, petite vidéo à la veille de la sortie de la globale, Les amis, déjà, je voulais vous réannoncer du coup que pour célébrer cette sortie de Global, nous serons en stream demain sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description pour eh ben, tout simplement débuter euh, cette, euh, cette petite globale dans de, dans de bonnes conditions, les amis. On du coup fera un, un reroll du coup pour démarrer avec un compte euh, aux petits oignons. On fera les premières invocations, évidemment, euh, dans la foulée. On euh, découvrira un peu comment cette globale euh, va se passer. On fera les différents events. Voilà. On on débutera le compte, pardon, euh, sur Twitch. Donc n'hésitez pas, les amis. Mon Twitch se trouve dans la description. Et nous avons eu sur le Twitter officiel du jeu euh, une annonce du coup sur la roadmap qu'aura la version globale durant les premières semaines avec des dates, les amis. Et ça c'est très cool. Donc on va en parler tous ensemble. Voilà. Avant d'aborder ce sujet. Hein, N'hésitez pas, les amis, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, à laisser le petit pouce bleu et euh, à vous abonner, et à activer la cloche. On est 1346 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, les amis, à rejoindre la chaîne pour suivre cette hype de GTK. Donc, du coup, les amis, nous sommes avec ce petit euh, message global version event bi-weekly update. Donc, en gros, bi-weekly, en gros, c'est les deux premières semaines de jeu. On va commencer les amis du coup. Euh, je peux zoomer. Je ne peux pas zoomer. Bon, c'est pas grave. On commence du coup avec. Euh, première, euh, première semaine, du coup, donc du 7 au 21. Euh, Nomnestic Horizon Gacha. Donc en gros, en fait, c'est le premier portail du jeu qui sera disponible avec tous les premiers. Euh, comment dire tous les premiers euh, personnages euh, donc en gros il y en aura 9 il me semble euh, avec du coup le gojo bleu enfin en rouge vous avez Maki et Todo en bleu vous avez Gojo et Megumi en vert vous avez Panda, Yuji enfin pan... ah, attendez Gojo, Megumi, Maki, Todo Panda, euh, Yuji et euh, Nanami et en jaune, Nobara et Toge. Voilà donc, vous avez bien 9 personnages de disponibles sur le jeu ainsi que bah, toutes les mémoires du coup euh, au début. Donc, c'est ici que vous ferez vos premières multi-invocations dans l'espoir d'avoir les personnages que euh, vous voulez. Donc, si vous voulez savoir quel personnage. Avoir, euh, n'hésitez pas, il y a une vidéo sur la chaîne pour en parler sur les personnages les plus importants à avoir pour bien débuter son compte sur la version globale. On a également le premier event uh, of Missing Horizon Time, du coup du 7 novembre au 21 novembre. Story event, alors il me semble que, il me semble que Steven la, une mise jour Java magnifique, il me semble que Steven la, c'est un event à boss de mémoire euh, donc c'est quelque chose de plutôt plutôt sympathique les amis un event à boss euh, ce qui veut dire qu'on pourra potentiellement récupérer beaucoup de ressources dès le début et ça c'est une très bonne chose nous avons également euh, le 16 novembre du coup donc la semaine prochaine euh, oui c'est ça la semaine prochaine donc ce sera le euh, samedi soir nous avons le premier portail qui sortira sur la globale avec euh, Jumpei, voilà. Euh, donc il sera disponible du 16 novembre au 25 novembre. Euh, Est-ce qu'il faudra invoquer sur ce personnage-là Non. Euh, véritablement, c'est un personnage qui est vraiment très moyen, voire très très mauvais. Et euh, surtout, on va en reparler après. Mais il y a potentiellement quelque chose qui arrive après qui est encore meilleur. Et ensuite, à partir du 16 novembre, nous avons le deuxième event, Grand Exorcisme Battle, qui du coup sera un event à carte. Voilà. Donc ces deux events apportent deux mémoires qui sont plutôt, ma foi, intéressantes, les amis. Hop, alors attendez. Pouf. Je vais vite fait vous dire ce que font les mémoires, les amis. Euh, hop, alors attendez. La première mémoire. Oh, merde, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Euh, la première mémoire c'est celle-ci, donc du coup la mémoire de cet event là qui nous permettra d'avoir euh, lorsque tu utilises euh, un command skill, donc en, en command skill c'est les, les skills de base, vous avez une augmentation de 45% de taijutsu pendant un tour et au début euh, du combat vous avez une réduction de 10% des dégâts reçus. Voilà, donc c'est plutôt une bonne, euh, comment dire, un, un bon équipement pour démarrer. Euh, et au niveau du deuxième event, les amis, euh, pouf 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 pouf, donc c'est dans les premières mémoires. Pareil, attendez que je la retrouve. Là, je suis allé trop loin. Il est où ce Gojo là Attendez, je le vois même pas sur le site. Ah, si, il est là, ok. Il est là, il est là. Euh, lorsque tu utilises un command skill ou une ultimate skill, euh, un ultimate skill vous augmentez tes propres, vos propres dégâts de 65% pour un tour. Et au début de chaque tour, si tes PV sont à 50% ou moins, elle, il augmente consumption efficiency. Ça augmente ton, ta, ton absorption d'énergie. De, 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 euh, de je ne sais pas combien. En gros, en fait, de ce que je comprends, vous récupérez plus de points à chaque tour. Euh, si t'as moins de 50% de PV, donc pareil, c'est plutôt une bonne mémoire du début du jeu. Celle-ci te donne un peu plus de tankiness, celle-ci te donne un peu plus de dégâts et te permet de euh, balancer tes skills un peu plus facilement. Euh, dans tous les cas, voilà. Donc dans cet event là, les amis, il va véritablement faire le farmer. Moi je me rappelle à l'époque que j'avais pas réussi à le terminer parce que bah, je, je joue au jeu, mais c'était la période vraiment du début du jeu où j'avais pas beaucoup farmé J'ai plutôt commencé à farmer à partir de cet event là. Mais cet event là, les amis, ça va être le premier event à boss. Et l'event à boss, comme je vous en ai parlé dans la vidéo pareil qui est sortie hier sur la routine à avoir euh, pour bien s'en sortir dans le jeu. Euh, donc, n'hésitez je pas à aller voir, pareil, un petit auto-promo, ça fait toujours plaisir. Euh, mais en gros, cet event là, ça, ça permet vraiment de vraiment récupérer énormément de ressources, notamment des ressources d'entraînement, des ressources de montée de grade, des ressources d'augmentation de skill. Euh, donc, véritablement, il faut essayer de le farmer le plus possible, les amis. Donc euh, en plus il reste quand même pas mal de temps les amis, hein. du, du 7 au 21 novembre, euh, il reste plus longtemps que le grand Exorcism Battle qui lui est du 16 au 25. Donc euh, faut pas hésiter à le farmer un maximum, surtout qu'une fois que celui-ci sera sorti, euh, vous allez devoir utiliser de vos, vos énergies un peu pour, pour, pour avancer dedans. Donc euh, voilà, faut, entre le 7 et le 16, faut, faut il faut essayer de terminer cet event là au, à fond. Comme ça au moins on, on vous serez tranquille pour cet event là. Et du coup les amis, ils ont avancé que euh, du coup ces deux semaines-là, qui ressemblent très pour très du coup au début de la version japonaise, les amis. Mais, euh, il faut savoir quelque chose, c'est que du coup, voilà, vous avez Junpei qui est juste ici, qui est le premier personnage invocable sur le jeu, enfin le, le nouveau portail avec un personnage invocable sur le jeu. Il faut savoir que juste après, normalement, s'ils suivent la version japonaise, il y a l'event Jujutsu Kaisen 0, qui est une campagne, les amis, euh, et cette campagne nous permet de récupérer Yuta et Geto, sachant que, Yuta, encore actuellement dans le jeu, est l'un des meilleurs personnages à avoir et il n'est, il me semble, jamais revenu. Voilà, lui et Geto ne sont jamais revenus dans les portails. Enfin, de mémoire, peut-être qu'il y a eu un reroll au 6 enfin, au 6 mois ou un temps, parce que je sais que les personnages des 6 mois ont eu un reroll il n'y a pas si longtemps que ça avec le portail qui est revenu. Mais il me semble, si je ne dis pas de conneries, que le portail de GGK 0 n'est jamais revenu. Et les personnages ne se trouvent pas dans le pool de, de, comment dire, du, du portail permanent. Donc les amis, euh, essayez. Je, je vous conseille, essayez de garder le maximum de ressources pour essayer d'invoquer et Utah et Ghetto. Comme ça, vous récupérez un exemplaire de Yuta, un exemplaire de Ghetto. Et après, ça sert à rien de forcer ce portail. Même si Yuta est très fort, ça ne sert à rien de forcer ce portail. Même si bon, c'est toujours bien d'avoir un doublon mais les amis, il y a pas mal de moyens dans le jeu d'avoir des doublons gratuitement pour les personnages, notamment avec les doublons personnages. Lorsque vous avez euh, comment dire lorsque vous vendez des doublons de personnages, vous récupérez une ressource qui vous permet de récupérer un doublon de personnage au bout de 300. Donc ça se fait quand même pas assez rapidement en vrai. En vrai, si tu invoques un peu, ça se fait assez rapidement. Euh, et puis pareil, cette ressource là, tu peux la retrouver dans d'autres euh, magasins. Donc vraiment euh, le premier doublon peut être facilement récupérable autre part. Donc voilà, je vous conseille vraiment de pack un maximum, de ne pas invoquer sur le portail de Jumpei euh, et de tout garder pour l'event GGK0 qui arrive normalement juste après. Après, peut-être qu'ils vont suivre une trajectoire différente, mais ça m'étonnerait en vrai. Euh, qui le suivent une trajectoire différente. Du coup, ce qui est bien, c'est que dans le, la même période, parce que les les 1 an de la japonaise vont bientôt commencer, d'ailleurs, les amis, euh, le 17, il euh, y a un live pour, euh, pour parler du coup de la version japonaise, les amis. Il euh, y a potentiellement quelque chose qui se prépare euh, parmi, parmi, euh, parmi certains créateurs pour suivre ça en live, euh, mais je n'en dirai pas plus, les amis, voilà, nous gardons des secrets, hein. c'est pas moi qui organise, donc je ne, je ne révèle rien. Mais, euh, mais il est possible qu'il y ait quelque chose de plutôt sympathique, les amis. Euh, de fait, donc euh, tenez-vous au courant, hein, les amis, sur les réseaux, euh, parce qu'il y a quelque chose de sympa qui approche. Euh, et euh, comment dire, donc, donc voilà, vous aurez les 1 an la japonaise, avec du coup, en même temps, l'event GGK0, je pense, sur la globale. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant lorsqu'on aura plus d'informations. Dans tous les cas, les deux premières semaines de GGK, on risque de ne pas s'ennuyer, euh, puisque du coup, il y a ça, il y a. Peut-être avant la japonaise, il y a peut-être l'event avec euh, Mai. Euh, enfin, Maki, pardon, excusez-moi. Euh, Maki euh, SR. C'est le seul event qui nous a permis de récupérer un personnage SR. Dommage qu'il ne l'ait jamais refait, en vrai. Ça aurait été cool de, de temps en temps avoir un personnage SR offert, euh, farmable sur un event. Euh, parce que, bah, honnêtement, c'était trop cool de l'avoir au début. Ils l'ont jamais refait. Peut-être que sur la globale, ils le refont plus souvent. Euh, même avec la japonaise, euh, parce que là du coup on pourra directement balancer nos avis, donc euh, ça pourrait être putain, ça pourrait être cool. Mais on verra bien. Dans tous les cas, voilà les amis, première semaine, enfin les deux premières semaines de GGK seront bien remplies. On sera là à chaque fois pour analyser tout ça, les amis. Ne vous inquiétez pas. Euh, je vous ferai du coup des petites vidéos sur chaque event, Qu'est-ce qu'il y a à faire Comment vaincre les boss Quel team avoir Enfin euh, voilà, vous inquiétez pas les amis. On a plein de choses à faire durant ces deux premières semaines. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain pour tous ceux qui seront là sur mon euh, Twitch pour euh, bah, du coup jouer à cette version euh, globale. Et les amis, pour ceux qui sont disponibles dans la journée. Normalement, cette vidéo-là devrait être diffusée vers 15h30. Je suis en stream, normalement actuellement sur, sur Twitch, euh, pour jouer à euh, Kingdom Hearts. Voilà, on continue l'aventure. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous voulez passer, faire un coucou. Voilà. Euh, je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnement, cloche et pouce bleu, comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo C'est année. Allez, ciao.